Alors, je m'appelle Marty Jean. Je suis née à Puyvert, dans la maison qui est en face. Et je suis mariée avec Maurice Benness. Il a eu que la rue à traverser pour venir me chercher. Je suis née en 1938, juste avant la guerre. Le pont, c'était un peu c'était une frontière, on disait. Alors, nos parents nous disaient, tu sors, mais tu ne vas pas de l'autre côté du pont. Hein. Moi, j'étudiais mes leçons le soir quand il faisait nuit auprès du feu, avec la lampe à pétrole. Ce qui a fait après pratiquement l'union de l'ensemble, ça a été après la guerre, quand on a créé la première équipe de rugby. Et alors, un monde dans chaque café, il y avait bien une centaine de personnes. 18 ans, le jour que la guerre s'est déclarée, quand il lavait l'avion, quand il lançait le sac pour le maquis. Oui, il passait tout, il fallait deux ou trois fois par semaine, à 1h du matin. Ouais, t'es arrivé, ça y est. Oui, on attendait. Et c'était un peu la concurrence les uns avec les autres. On se trouvait une dizaine en ferreur. Quand on était petit, ça bougeait. Le soir, les gens étaient dehors. Il n'y avait pas de télé. Quand il pleuvait, tu voyais des gens qui allaient ramasser les escargots. Sans lumière, c'était grandiose, je dirais. Il y avait, je ne sais pas combien on a dit tout à l'heure. Hein. 150 figurants. Situé des scènes de la vie du village. Une scène de vie que M. Tissier faisait le programme. Voilà, c'est lui qui écrivait le test. On s'arrêtait, on discutait. Là, c'est la course au rendement. Mais c'est pas mieux. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des montagnes pour vivre. Il s'agit de bien vivre, et c'est tout. Oui, mais la modernisation a fait que chacun, après, je ne veux pas dire qu'on était individualiste, mais si, on l'est. Maintenant, ça s'est fait tout doucettement, tout ça. Ah oui, mais sitôt que je suis parti, j'ai dit je reviendrai, c'est tout. Et puis rien que le nom, puis vers. Ça porte bien son nom. Puis Vertaine un jour, puis Vertaine toujours. Oh, ça c'est bien dit.